On va constater, vu les poches sous mes yeux, le week-end a été très dur. Oh, ça fait 4 minutes, regardez, il est rentré comme ça, quand regarde déjà le groupe, les meufs ont dit, les gosses ont dit. Retournez l'enculé. Et du coup le dernier jour où j'avais l'appart où je pouvais après fallait que je remballe mes platines et j'avais enregistré j'étais censé enregistrer un podcast donc ça faisait 3 semaines que je le préparais. Là il va te prouver par A plus B si tu veux pendant une heure au téléphone qu'il ne viendra pas avec des arguments limite de qualité alors qu'en une heure il a le temps de faire 20 fois l'aller-retour tu vois. Et dire avant. Bon ça permet de respirer. Est-ce que tu peux te présenter brièvement en 15-20 mots? Non. J'ai une question. Ouais. Bouchon ou McDo? Bouchon. Hamburger ou pizza? Hamburger. Ouais, vraiment. Futur ou passé? Futur. Ou pas ou grave? On peut pas choisir. C'est intéressant, développe. Je pose la question, il répond et après je parle de meufs. Ah, bah, pour les meufs, c'est brune direct, mais pour la bière, c'est blanc direct. Moi, c'est blanche. Côté. Je suis un peu raciste. Ah mais c'est Étienne. Mais du coup c'est un tatouage hyper personnel quoi. Non. Bah seulement les gens qui arrivent là le voient tu vois donc ça tu vas pas le voir. Qui ça? Bah Jérém. Il avait une tête de Didier. C'est ça le bar? Oui. Il a moi je tout à l'heure j'ai l'impression que vous voulez dire si là maintenant j'en avais dans ma poche très probablement je serais en train de rouler un joint. On sait les Gretel. Pourquoi? Parce que c'est un Biergarten à l'allemande et en fait tu vas chercher ta bière dans le frigo direct et c'est comme si tu étais à Berlin quoi, tu cherches ta bière, 4 euros c'est pas cher, tu peux prendre un currywurst avec, donc c'est pas mal. Chez Emile Records, c'est un très bon disquaire qui est pas très loin de chez moi, ils ont une bonne Selecta. On va dire le petit bulletin ou ouais le petit bulletin, le mec qui suit, un truc comme ça. Ouais. Comment tu la vois dans quelques années? Bah écoute, je pense que Lyon est dans une dynamique assez intéressante, donc je dirais que dans quelques années, je vois bien, en tout cas j'aimerais bien que Lyon dépasse Paris en termes d'attractivité, notamment culturelle, artistique, notamment sur le plan de la nuit. Il y a déjà une scène très intéressante à Lyon, mais je pense que cette année va se développer dans les prochaines années.
ça c'est un de tes maisons, tu l'as goûté avant, et puis là tu vas me dire c'est de la merde. Tu détends un petit peu la corde là, elle est trop tendue. Dommage qu'on ait pas la laine sur la photo, tu vois, finalement. Quand tu regardes, tu fais waouh, waouh. Tout le monde a sèche pour cette surprise. Allez, je vais passer au show. C'est drôle, elle a pris de nuit, ça vaut pas. Esprit de tombe, les gars. Mais pourquoi on ne mettrait pas les gens là? Elle fait la go qui connaît pas Charo. Elle m'a vu à la télé. Elle a dansé ma corée. Les gars, on déguste une bonne ambiance. Seigneur, ça m'a plaît la viande un peu de lyonnais. Voilà. Ouais, du boyau, de plein de belles choses. Pardon, excusez-moi, j'aimerais manger. J'adore le vraiment fait ici, tu vois. Ça, j'espère que ça ne sera pas dans le documentaire.